Il s'agit d'un cycle de conférences sur la longévité avec toutes les facettes que cela peut comporter. Nous vivons à l'heure actuelle une extraordinaire révolution démographique qui fait que la majorité d'entre nous va pouvoir vivre très longtemps. Alors ça s'accompagne bien sûr d'un vieillissement de la population en soi. Et ce vieillissement de la population pose des questions qu'il faut absolument résoudre. Traiter de cette question-là est importante pour l'ensemble des organisations qui représentent le CCE, parce que c'est un sujet d'avenir. Nous avons ce défi sociétal devant nous et il nous est nécessaire de partager les expertises avec IELTS et France, qui a fait de nombreuses études, pour voir comment, dans nos travaux, nous pouvons irriguer des réflexions et faire en sorte que nous puissions proposer des politiques publiques en la matière. L'accroissement de la longévité, c'est une chance. Et en plus, pour la France, il y a une vraie opportunité qui est d'accroître le taux d'emploi des seniors. Et si les travailleurs seniors augmentent leur participation au marché du travail, augmentent leur activité, on a potentiellement une source qui permettrait de compenser en fait les effets du vieillissement de la population. Et donc ça, c'est une source, c'est une vraie opportunité. Ça peut permettre éventuellement de financer voyez, l'éducation, de financer la transition écologique, de financer voilà, toute la société et aussi des projets d'avenir. Un des buts d'ILC France, c'est d'essayer de porter à la connaissance des décideurs de façon générale, politique, universitaire, les connaissances sur cette révolution de la longévité. Là, c'était une première. Nous allons faire un cycle de conférences avec une conférence à peu près tous les deux mois sur le même format avec un conférencier. Et la prochaine, c'est un sujet qui est important à traiter parce que un petit peu délaissé dans le débat public est celui de la prévention. Et donc, il y a une méthode comportementale que l'on pourrait favoriser en matière de gériatrie qui s'appelle le nudge. Et donc, nous allons essayer de réfléchir sur cela pour innover dans nos réflexions. Nous considérons que la vie de la nation comprend bien évidemment cet allongement de la durée de la vie et cette révolution de la longévité. Donc nous sommes ravis de pouvoir partager nos connaissances avec les membres du CESE qui ont un rôle politique important d'augmentation de la connaissance politique et sociétale.